Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Ryoga et je suis en compagnie de Mademoiselle S. Hello. Mademoiselle S, comment allez-vous? Ça va. Aujourd'hui, nous allons voir Final Fantasy VII sur Switch. Alors ça, c'est un jeu que l'on attendait depuis très longtemps de vous montrer dans Excuse Me Princess. C'était même un des premiers jeux qu'on avait décidé de voir ensemble. Et il a fallu attendre, finalement, surprise, que la version Switch chez Nintendo, sur une console de Nintendo, soit disponible. Puisque je le rappelle... C'était quand que c'était annoncé ça? Ah ben c'est tout récent, c'était en septembre dernier. Wow. Square Enix annonce que les Final Fantasy, jusqu'alors inédits sur console Nintendo, seraient disponibles sur Switch. La saga Final Fantasy, à la base, elle est née sur les consoles Nintendo, sur NES, sur la Nintendo NES, la Famicom au Japon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 1, 2, 3 sur Famicom et 4, 5, 6 sur Super Famicom. Et effectivement, patatras, en 1995, 96, 97, il y a un problème avec Square Enix qui ne veut pas faire le nouveau Final Fantasy sur Nintendo 64 parce que Nintendo a pris la décision de faire ses jeux sur des cartouches encore. Alors que PlayStation, lui, est parti vers le CD, le CD-ROM. Et ah, ils voulaient être sur CD. Et Square Enix avait envie, avait pour ses ambitions, de faire des jeux sur CD-ROM pour pouvoir bénéficier de plus de stockage et aussi de musique de qualité CD. Ah. Donc Final Fantasy 7, 8, 9, 10, 11, 12, encore jusqu'à maintenant c'est le 15, énorme. Sont sur console Sony et on n'avait jamais eu sur console Nintendo. Voilà, Final Fantasy 7, sorti en 1997 sur PlayStation. C'est un moment historique. C'est un moment historique. Bon, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et j'avais déjà fait, en tout cas commencé FF7 sur PlayStation, mais je ne l'avais pas terminé. Et donc c'est avec grand, grand plaisir, je pense, que je vais faire cette aventure sur Nintendo Switch. Tu vas la faire en entier? Tu l'as jamais faite? Je l'ai jamais fait en entier. Tu n'as jamais joué à Final Fantasy VII? Pas en entier, je me suis arrêté en plein milieu de l'aventure parce que j'avais pas ma PlayStation sous la main. Ah ok. Mais je crois que vous-même, vous avez une histoire avec ce jeu. Oui, mais moi j'y ai joué. Vous allez nous raconter ça. Ah bah non, mais j'y ai joué, c'est tout. Bim! Et j'avais de très bons souvenirs, j'ai de très bons souvenirs de cette histoire et de ces personnages. Et voilà! Et voilà le beau Cloud! Enfin, il est très beau, hein! Enfin, le beau, le beau. Je le voyais plus beau que ça! Le beau, enfin voilà, voilà la gueule, quoi, hein! Ah, voilà là, le héros qu'on va incarner. Hein. Ses épaules! Alors on est parti, on est passé de Final Fantasy VI, ça, je vous montre une image. À Final Fantasy VII qu'on a donc sous les yeux. Ouais, ça c'est 7. Ouais. Et le 7 en fait, ce qu'il y a, c'est que voilà, on se balade, des personnages en 3D se baladent dans des décors précalculés qui sont des images fixes, ah oui, mais c'est qui vrai. Sont travaillées en images de synthèse et non plus en pixel art. Et donc voilà les fameux combats. Bah, il est un peu mieux en combat, je trouve. Oui, il a un peu plus de classe. Il est en mode, comme on dit, chibi, c'est-à-dire minuscule. Mignon. Mignon pendant l'exploration. Et il est un peu plus classe, un peu plus adulte dans les pendant les combats. Avec son, c'est quoi, c'était une épée ou c'est un couteau? C'est un couteau là. C'est un canif. Un canif énorme. Alors on remarque pour l'instant que notre personnage s'appelle Ex-Soldat. Ah oui, voilà. C'est un ex-soldat. Oh mon dieu, ces écrans bleus. Oh mon dieu, bien bleu, qu'est-ce bien qu'on bleu. Les a vus. Oh là là. Ah non, c'est plein d'émotions, ces souvenirs. Ah, la musique, bah, elle faudra est trop pas hésiter bien. À nous en parler. Et surtout, par rapport aux versions d'avant, qui étaient en 2D, qui étaient vues de ça, haut, là, on a carrément un jeu qui varie sa mise en scène avec des angles de vue différents pour chaque plan. Le soldat, mais c'est un ennemi. Qu'est-ce qu'il fait parmi nous? Au sein d'Avalanche. Ouh, c'est l'association qui est Avalanche. Il l'a quitté. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Il fait partie des nôtres maintenant, a priori. Je n'ai pas saisi son nom. Ah bah vas-y. Bah, ex-soldat, c'est mon nom. Donc effectivement, son nom d'origine, c'est Cloud. Mais allez, on va. C'est ma partie, après tout. On va mettre Ryoga. Mais Cloud, tu peux pas. Mais c'est pareil dans les Zelda. Dans les Zelda, on propose Link de base et on met tout son nom. Tu peux pas. Le dernier âge. Par contre, a priori, les autres personnages, je les changerai pas parce que voilà. Peu importe vos noms, de toute façon. Lorsque ce travail sera terminé, je m'en irai d'ici. Lui, il est pas sympa. Et voilà Barrett. Que diable faites-vous? Je pensais vous avoir dit de ne jamais vous déplacer en groupe.
Mais oui, pareil. Notre cible est le réacteur Mako Nord. Nous nous retrouverons sur le pont situé en face. La musique. Et la musique, elle est excellente tout du long. Pour musique. Ça qu'ils voulaient être sur CD. C'est une décision créative. Je le comprends. Et donc Barrett restera Barrett, a priori, sauf Barrett, si vous voulez c'est le changer. Voilà. Appuie sur les boutons directionnels et appuie en même temps sur B pour courir, dit. Oui, bah bon, qu'est-ce qu'il me raconte bah, et, là, oui. Et là, magnifique. En fait, je. Zoom. Je me rends compte oh là encore là, aujourd'hui de, des avancées technologiques à l'époque. Je veux dire, on a. Un petit zoom, un dézoom, une un contre petit zoom directement à partir de la cinématique. Ah non, mais la musique, on est à fond. Alors, remarque qu'il n'y a pas les musiques des combats encore. Hein. Ils nous laissent dans l'atmosphère oui. tendue du début. Alors, notre personnage peut attaquer, bien sûr, mais il y a aussi une magie. Alors, je ne sais pas si on en a dès le départ, a priori, je pense pas. Oui, il y a des personnages magiques. Je sais même pas si c'est très utile de l'utiliser. En tout cas, magie glace éclair. Et ça requiert des MP, donc des points de magie. Ça en utilise 4 sur 54, donc allons-y, faisons-nous plaisir. Donc, on veut savoir qui est Cloud. Pourquoi il faisait partie des soldats et pourquoi maintenant il fait partie des c'est rebelles. C'est ça, c'est un peu l'enjeu. Avec une belle image d'ailleurs, une belle image pour son avatar ici. C'est vrai. Et on prend les objets un que petit manga, on ramasse. Y a-t-il eu un manga? Oh oui, il y en a eu des mangas. Oh, je oh, savais oui. pas. Il y en a eu, il y en a eu. Alors, petite c'est parenthèse épique. Sur cette version cette Switch. Cette vue, ces dessins. Alors, je suis pas très au fait des autres versions qui sont sorties sur les différentes plateformes en ligne des différents constructeurs. Mais on peut observer en tout cas pour que ce portage propose des modèles 3D des personnages qui ont été retravaillés, qui sont nets, très particulièrement nets. Oui, c'est vrai, c'est tandis que les décors sont très flous. C'est vrai. Ça veut dire qu'en fait, les décors n'ont pas été retravaillés d'après à partir de. Ah, c'est vrai, je me rappelle depuis pas. La version d'origine. Enfin, avant, en fait, c'était peut-être pas comme ça. Hein. En fait, tout était flou avant. Ouais, c'est ça, tout était flou. Tout était flou parce que bon, bah, c'était la technique. J'aurais préféré que ça reste flou, non ? Bah voilà, c'est un choix qu'ils ont fait. Ils ont pas pu retravailler les décors parce qu'ils les avaient plus, en fait. Ils ont plus dans les archives. Non, mais ça n'existe que plus. Ça prend plus de temps à faire, je crois, non ? Bah, c'est pas que ça prend plus de temps, ils les ont plus du tout. Donc, c'est s'ils les avaient, à mon avis, ils les auraient refait. Mais ils n'ont pas voulu y retoucher. Par contre, ils ont encore les modèles 3D qu'ils avaient stockés dans leurs archives. C'est dingue. D'où cet effet-là, ce choix. Ah oui, c'est vrai, c'était pas comme ça. Qui moi, me choque pas plus que ça pour l'instant. Bon, on va s'habituer, mais bon, moi non. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit exactement comme avant. Donc oui, il y a toute une histoire de réacteur. Mais que sont-ils ? Qu'est-ce que vous faites ? Ils prennent l'ascenseur. Ah ! Alors, Barrett sort de nous-mêmes. J'ai vu ça. Et rentre dans nous-mêmes à tout moment. C'est le propre des RPG, il n'y a rien à faire. Je sais plus quel jeu j'ai fait récemment. Attends, c'est important ce qu'il est en je train de dire. Je crois que c'était Deltarune qui est sorti récemment. Le personnage se moquait du fait qu'il devait rentrer il devait rentrer dans le personnage principal pour pouvoir continuer. Il dit, oh, ça me fait toujours bizarre à chaque fois. Ça pop. Ah oui, c'est vrai, regarde, il a disparu. Voilà, il a été intégré. Trop bizarre, assimilé. Ok, donc Barrett, il fait ça pour la planète. Ouais. Et Cloud, il s'en fout, il le fait. Alors je voulais voir s'il y avait des c'est trucs cachés, mais je suis pas sûr hein, qu'il y a des trucs vraiment cachés ça, partout. Ça, c'est la musique. Et qui ça, la c'est... connaît par cœur depuis 20 ans. Excuse me, princesse. Non, est-ce que ce serait vous par mais elle rentre dans la tête. Oh non, c'était trop court, on voulait profiter de la musique. Oh, je pense que les combats auront toute occasion d'être plus longs par la suite. Hein. Vous êtes attaqué ensemble. Donc il n'y a pas d'objet caché, donc je vais prendre le chemin qu'il faut. Ce décor flou. Mais nos écrans étaient plus petits, non ? Bah oui, les télés cathodiques, c'était mieux. Pas du tout encore les écrans plats. Faut donc toujours remettre dans le contexte. Oui, télé cathodique, prise Péritel. Autant que possible. C'était pas très possible. Uniquement sur la télé, avec les contrôleurs de la PlayStation. Ah oui. Sans joystick analogique, d'ailleurs. Ah oui. Juste la croix X, directionnelle. Oh. Alors Barrett il clignote parce que c'est lui et est-ce qu'on peut... Alors ça c'est les objets et il attaque, voilà, et Ryoga magie. On va faire l'éclair qu'on n'a pas fait... Ah bah non, tout c'est bon.
Bon, ça reste toujours aussi classe, hein. Moi je trouve que... C'est classe, hein. Ça marche bien, les décors sont beaux, voilà. Tu te rappelles de l'histoire, toi? Vaguement. Moi aussi, vaguement. Mais je me souviens... De plus en plus de personnages. Plus en plus de personnages. Et on va changer d'univers, de monde, de décor, de paysage, de tout ça. Ah bah, c'est ça, vous le vendez bien. Comment on dit? Ménésis. Notre Némésis. Voilà. Je me rappelle de son nom, il a un nom épique. En fait, je me souviens de... Il a un look épique. Oui. La dernière scène, tout le monde elle le est connaît. Épique. Ah bah non, mais spoilez pas la dernière scène, moi je l'ai pas fait, moi. Mais tout le monde connaît ces personnages-là, c'est ou presque. Bref. Et moi, j'ai des souvenirs de passages un peu hallucinants, des passages très psychologiques, tout en fait. Tout à fait. Des introspections aussi. Beaucoup d'émotions. Aussi. Psychologie des personnages. Donc ça m'avait bluffé. Alors là, j'ai envie de descendre l'échelle en glissant, mais on peut pas, je crois pas. Tu es très net. Je suis délicieusement net par rapport à l'environnement. C'est vrai. Alors ça veut dire qu'il faut aller dans le menu et enregistrer la partie. Et bim, t'as 10 sauvegardes. Oui, et voilà. Ah oui, après quand tu es avec quelqu'un d'autre, ça enregistre les autres visages. Alors tout droit ou la porte? Oh, je sais pas. Toi tu vas m'aller à. Que c'est beau, que c'est à beau. À l'envers, oui, c'est vrai que c'est très joli. En fait, évidemment, techniquement, oui, bah c'est flou, c'est voilà, mais artistiquement, c'est magnifique. C'est vrai. Alors les matérias. Il y a qu'à faire en HD, hein. Alors, ben... Il y a qu'à, ils sont en train. Non. Ben si, ils sont en train de faire un remake de non. Final Fantasy VII. Tout beau, tout net. Tout beau, tout net. En 3D, avec les moteurs du moment. Par ça contre, sort quand, ça, ça a été annoncé en 2015 sur PlayStation 4. Ah oui, d'accord. Et c'est toujours pas... On en a toujours pas vu la couleur. 4 ans. Et le projet a l'air d'être très difficile à mener. Bah, c'est un jeu long. Hein. Ou en tout cas, ils ne communiquent pas du tout. Non, mais c'est un jeu très long. Ils avaient communiqué sur le fait que justement parce que le jeu est long, ils allaient en faire des épisodes. Ah, ils veulent perdre des sous. C'est ça. Et qu'ils n'allaient pas tout traiter. Ils allaient garder que ce qu'ils estimaient être le principal du scénario. Oh non. Ce qui, évidemment, pour les puristes, fait ça un peu tâche. Ça va pas du tout. Ils vont changer toute l'histoire. Et aussi, ils changent le système Light, de combat. Hein. C'est plus un système au tour par tour comme là, on est en train de le vivre. Yes. Mais c'est un système en direct. Quoi ? En attaque. Hein. En attaque en direct. C'est un jeu d'action. Ça devient un jeu d'action. On va le tabasser, quoi. On tabasse le robot, là, le robot rouge, l'astro, le petit robot. Ah oui, d'accord. Et non plus, on fait des attaques au tour par tour. Ok, alors je sais pas si ça me dérange, mais bon, ça. Et ensuite, moi j'avoue que le design des personnages, remis au goût du jour, bon, faut aimer. Faut aimer les caractères design d'aujourd'hui. Hein. Final Fantasy XV, par exemple, je vous avais montré quand on avait fait l'Excuse Me Princess de Final Fantasy XV Pocket Edition, qui était une version chibi avec des personnages super cartoon. Mignon. Oui, mais le jeu d'origine, souvenez-vous, Final Fantasy XV, ça n'a rien à voir, c'est des beaux gosses. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que je me défends bien là? Est-ce qu'il faut que j'utilise la glace sur ce robot ou les éclairs? Bon, on va voir si ça marche. Qu'est-ce qui marche le mieux? 45. Maintenant qu'on a bien présenté. Vous savez, maintenant qu'on fait attention à ce qu'on joue. Maintenant qu'on va faire attention à ce qu'on joue. Alors, la ça vie. Ça sortira quand? On sait pas encore. FF7 remake, Light. Sur PlayStation Light. 4 ou PlayStation Épisode. 5. Bah, on sait pas trop. Bonus, tout ce que tu veux. Bah, on sait pas. Et c'est que sur PS. A priori, oui, c'est. Ah, attention. Faites un effort pour la Nintendo. Alors, oui, alors, ok, Square Enix est en train de revenir vers Nintendo. Ils ont sorti Octopath Traveler en exclusivité sur Nintendo Switch. Kingdom Hearts est sorti sur PS4, mais bon, on ne sait pas si les Kingdom Hearts vont arriver un jour sur console Nintendo. Final Fantasy XV, il n'est pas sur Switch parce que techniquement. Alors, c'est quoi la limite? J'active ma limite. En fait, il fallait pas le toucher quand il était. Par contre, j'ai plus que 69 points de limite. Bah oui, tu peux pas. Bah là, peut-être que tu veux le. Voilà, là, il fait un très gros coup. J'espère que c'est suffisant. Mais il fallait pas. Il faut pas l'attaquer quand il a. Ah, quand il m'a dit attention. Ouais. Ah, bah bravo. Alors, c'est fini ou. Bah, je sais pas, mais peut-être qu'il fallait. Il faut pas s'en l'attaquer. Sortir avec Barrette, quoi. Eh bah non. Et là, c'est foutu. Ciao. Bon, bah, la prochaine fois, au lieu de raconter l'historique, hein, on essaiera de jouer mieux, hein. Fin c'est de déjà la fin de la partie. Ah, je me rappelle pas de cette musique. Bah parce j'ai que vous n'avez jamais vu la fin de la partie. Moi-même, je sais pas si je l'ai déjà vu. C'est quoi cette image? C'est joli, c'est une pellicule, une bobine de film. La typo en haut, ça très étrange. Donc on va reprendre juste avant, a priori.
Ah par contre non, ils nous remettent. Tu veux faire une sauvegarde? Oui, mais ils nous remettent tout le générique. Je sais pas si c'est très utile. Tadam, bonjour. Et donc? Cette fois. Qu'est-ce qu'on disait de beau? 2015. Là, je vous apprenais l'existence de Final Fantasy Remake. Light. Remake. Et donc là, ça y est, je suis reparti dans l'historique. La bonne nouvelle, c'est que on a Final Fantasy 7 sur Switch. Le 9 est déjà sorti. Le 8, bon, bizarrement, n'est toujours pas disponible, n'a pas été annoncé. On va avoir 10 et 12 ce mois-ci, en avril. C'est énorme. Il rattrape tout le retard. J'essaie de rattraper le retard. Alors après, on n'aura peut-être pas tous les épisodes parce que tous ne sont pas adaptables sur Switch. Mais en c'est tout efficace, cas, ça. Hein. C'est pas mal. Ça, c'est bien, la glace. Ouais, 43. 68, lui. Go Cloud. 41 aussi, pas mal. J'ai attaqué à l'épée, ouais. Je crois que c'est le mieux. Hein. Alors, faut se défendre. Il arrive derrière. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, il vous fait mal. Ah, il vous cherche. Il cherche un ennemi. Il est aveugle. C'est un robot. Là, alors attention, parce que dès que... Ah d'accord, non, ça c'est... Ch'tique. Là, il fait mal. Oui. Ah, là, est-ce qu'il faut se soigner tout de suite? Non. Non. Alors, Barret est au max limite, donc on va utiliser ça. Bah oui, c'est le moment. Avant que... Il devienne très dangereux. Toi aussi, tu peux bientôt. Ah non, là, faut pas l'attaquer. Il faut pas attaquer. Non. Mais alors, est-ce qu'on peut se défendre? Je n'attaque pas si sa queue est en l'air. Alors, bah, je fais quoi? Je me soigne. Ah bah, life. Tu peux soigner... Barrette, parce qu'il va se prendre un... Ouais, mais j'ai pas vu. Ah, toi aussi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'auto-soignent, ils sont pas mignons. Tiens, Barrette, je te soigne. Ah, merci, c'est gentil. Oh bon, alors moi, comme c'est sur Switch, maintenant, je vais y jouer en mode portable. Hein. Oh, quelle bonne idée. Je vais l'emmener à peu près partout et jouer. Parce que, alors, ce qui est bien avec les RPG, c'est que voilà, on peut juste jouer pour leveler ses personnages. Ou... Alors là, faut pas attaquer. Bah, ouais. Peut-être juste attendre pour voir et si... Et là, si je fais là, je m'attaque moi-même. Il s'est calmé. Ah, donc, il faut vraiment attendre en il temps s'est calmé. Réel. Voilà, il s'est calmé. Qu'il baisse sa garde. Et il et est voilà. Mort. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, c'est du tour ça par va, tour, mais pas que, quoi. Enfin! J'ai pris un fusil d'attaque. Et ça continue. Oula, la musique, là. Vite! En haut. Oh là là, 10 minutes avant l'explosion. Gros chiffre violet. Cette planète explosera dans 10 minutes. C'était bien sans Goku. Ah oui, d'accord. Ah, plein de gens encore. Il a eu du succès ce jeu. Hein. Oui, j'allais en parler. Final Fantasy VII a eu énormément de succès. Ça a été un des fers de lance de la PlayStation. Il était également extrêmement attendu. Pourquoi je peux pas prendre cette échelle? Tu dois te mettre devant. Voilà. Et c'est aussi le premier RPG de beaucoup de joueurs. Parce que le RPG... Alors, moi, je suis toujours un peu embêté quand on dit ça. C'est ce qui se dit généralement. Voilà, FF7, c'est les débuts du RPG en France. C'est pas tant vrai que ça, parce que il y en a eu quand même beaucoup. Ne serait-ce que sur Super Nintendo, Secret of Mana, Secret of Evermore. C'est aussi des vrais RPG. Alors je conçois que celui-là soit différent et qu'il représente aussi la génération 3D, puisque les autres étaient encore en 2D, et qu'il ait impressionné beaucoup de joueurs. Mais bon, c'est pas forcément le premier RPG en France. En plus, on avait déjà eu des RPG traduits en français. Donc c'est un des premiers. Oui, c'est clairement un des premiers, puis c'est le plus mémorable de la PlayStation. Oui. Il est trop bien. La PlayStation a eu énormément de succès. Je me souviens, bon bah les sorties, gens ils achetaient la PlayStation pour jouer à ça. Oui, pour ça, pour Resident Evil, pour les Tekken, pour un peu plus tard Metal Gear Solid, pour les Tomb Raider. C'était la première PlayStation. Hein. C'est la première PlayStation, ouais, sortie en 95. Et Final Fantasy VII est sorti 2 ans après la sortie. Et il était très attendu, très très attendu. Bizarrement très attendu parce que nous, on n'avait pas eu de Final Fantasy traduit en France. On n'avait pas eu le 6, on avait, et encore moins les précédents. Donc c'était une série très peu connue chez nous. Mais bon voilà, c'est... L'aura du jeu et de la série a été exportée du Japon. Et... Alors attention à ma barre de vie.
Bon, ils sont pas méchants non plus. Nous avons la musique en direct par Mozelles. Ah non, mais c'est épique. Ah non, mais c'est épique. Tellement on voulait l'écouter, je crois qu'on l'a enregistré sur une cassette. Une cassette audio. À partir de la télé. Ouais. Ah non, mais c'était, moi je faisais ça aussi. C'était rétro. Hein. Je faisais ça avec. Y a rien d'autre à faire. Hein. Avec mes jeux Mega Drive, j'enregistrais. Je crois qu'on n'avait pas les chansons sur Internet. Hein. Les génériques de fin. Bah non, Internet. Mais c'était pas encore tout les remix et tout ça. Hein. Bah 97, Internet, c'est tout nouveau. C'est, bah ouais, tout le monde ne l'a pas encore. On faisait comme on pouvait, hein. Avec notre Walkman. Et puis surtout, avoir une bande-son disponible en lecture, ça n'existait même pas. En téléchargement, ça prenait 10 ans quand on y arrivait. Oh là là. Donc, fallait la trouver, hein, fallait qu'elle soit en ligne. Donc, pour non. À la rigueur, peut-être. Est-ce que si on mettait le CD du jeu dans la console. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Ouh là là. On se réveille, on y va. On pouvait écouter la musique, je crois. Tu l'as sauvé, hein. Ouh, magnifique, joli. On vient de faire ça, nous ? Ouais, c'est nous qui avons fait ça, ouais. Nous, le groupe Avalanche. Qu'est-ce qui se passe avec la planète ? Oh là, il fait une jolie petite roulade. Mais il y a du feu là. Hop là. Et ils se retrouvent... C'est des rebelles. C'est vrai qu'ils ont quand même une sacrée dégaine. Ils sont très très très... Cubiques. Polygonales. Exactement. Alors on sait pas... Pointu les cheveux de Cloud. Cloud avec ses cheveux... Ah bah il pourrait éborgner Barrett à n'importe quel moment. Hein. Donc on va continuer le jeu nous. Alors peut-être pas forcément pour la chaîne. Hein, mais on a envie de savoir ce qui se passe. Mais pour nous, donc merci d'avoir suivi... ce début d'aventure avec nous. Dites-nous si vous connaissez le jeu, si vous l'avez déjà fait mille et une fois, ou si vous le découvrez comme plus ou moins moi sur la Nintendo Switch. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, tout ça. Est-ce que vous attendez le nouveau jeu Final Fantasy 7 Remake tout sur ça. La PlayStation 4 ou la 5 ? Ah bah voilà, c'est plein de grosses questions sur l'avenir de cette saga, sachant que vient d'être annoncé que le Final Fantasy 16 était en début de développement. Oh. Voilà. Mais bon, pour l'instant, nous, on est un peu à la traîne, on n'en est qu'encore qu'au 7. Hein, on chouette, en est au 7, donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci Mademoiselle de m'avoir accompagné dans cette redécouverte de Final Fantasy 7. Ouais. C'était quelque chose qui était qu'on avait envie de faire depuis très longtemps dans Excuse Me Princess, parce que souvenez-vous, dans la bande-annonce, toute première bande-annonce de l'émission sur la chaîne, Final Fantasy VII y était, donc ça y est. C'est vrai. Nous l'avons vu ensemble. Et sur Switch. Et sur Switch. Hein. Trop bien. Voilà. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres aventures. À plus.